toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo consacrée à la collection Mylène Farmer, un jour un collector, pour vous présenter un objet que l'on attendait depuis très très longtemps. Il s'agit de l'intégrale des clips en Blu-ray de 1999 à 2020. C'est quelque chose que les fans attendent vraiment depuis très longtemps, moi le premier, parce que depuis le musique vidéo, je ne sais plus, 4 ou 5 en DVD, depuis je crois 2008, on n'avait plus aucun clip de Mylène Farmer en DVD ou en Blu-ray. Alors ici, je vais vous présenter la version Blu-ray parce que moi je préfère effectivement, aujourd'hui les Blu-ray, je n'achète quasiment plus de DVD. Et je vais découvrir en même temps que vous ce coffret qui est très beau, qui est cartonné et dans le même style que les précédents coffrets que nous avons pu avoir pour les lives en Blu-ray, du même format. C'est assez épais. Une présentation à l'arrière avec une photo du Farmer Project. Alors moi j'avoue que je suis ravi d'avoir ça en Blu-ray parce que le clip The Farmer Project, c'est quelque chose que j'attendais en support depuis sa sortie. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui avec ce support. Un petit stickers inclus. 35 clips, 10 making-of dont un inédit, 8 clips live, un livret, 36 pages, documents originaux. Donc ce très joli coffret box carton s'ouvre comme les autres, c'est-à-dire par le haut, pour y laisser paraître un très très beau digibook. J'avoue que je suis très content du rendu parce que je trouve ça très beau, c'est la statue, tout le monde aura reconnu, en tout cas les fans, la statue du clip Redonne-moi, que l'on aperçoit, si mes souvenirs sont bons, dans l'introduction du documentaire L'Ultime Création en trois parties, passé récemment sur Amazon. Un très très beau digibook avec donc pour la version Blu-ray 2 disques, pour la version DVD 3 disques, un livret identique. Et à l'intérieur, alors je sais pas, après on va peut-être m'engueuler en disant que j'ai tout spoilé et que j'ai gâché la surprise, donc je vous le dis, si vous n'avez pas envie de découvrir, arrêtez cette vidéo tout de suite et attendez demain ou après-demain d'avoir votre digibook. Mais en tout cas c'est très très beau, c'est plein de dessins, c'est plein de photos, vraiment c'est un très très beau cadeau qu'on nous fait là vis-à-vis des clips. Un seul regret pour moi, mais je pense que ça va arriver d'ici quelques temps, de ne pas avoir en Blu-ray tous les clips de Laurent Boutonnat, c'est-à-dire de 84 à 96, mais comme je vous dis, je pense que rien n'est impossible et que les choses se feront bientôt, je l'espère. Voilà, en tout cas, un très très beau digibook. Si vous n'avez pas précommandé, je vous le conseille. C'est vraiment très beau. Il y a la photo et les titres qui sont un petit peu en relief. Voilà, un très très bel objet, comme d'habitude avec Mylène Farmer. On n'est jamais déçu au niveau du packaging. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Oh.